Ok, salut, salut la famille, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Désolé, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous présenter certaines fonctionnalités de ChatGPT qui permettront à toute personne, j'ai bien dit toute personne, de pouvoir s'en sortir avec ChatGPT. ChatGPT n'est pas seulement fait pour les informaticiens. N'est pas seulement fait pour une catégorie de personnes, elle est faite pour presque toutes les catégories, en fait pour tout le monde, pour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer peut-être comment cuisiner avec ChatGPT. Comment cuisiner avec ChatGPT, c'est merveilleux, non? Mais je vais vous le montrer. Tout d'abord, on va commencer la vidéo, vous connaissez à la répétition, mais mieux je le dis toujours. Abonnez-vous, likez, partagez la vidéo massivement. Faites grandir la communauté en fait. Ok. Donc nous allons venir dans explorer. Je vais vous présenter un grand maître cuisinier. Nous allons explorer. Et dans explorer, vous allez regarder, vous allez observer les différents robots que nous pouvons avoir. Nous avons autant de robots. Pour la programmation, mais nous allons revenir sur ça dans une autre prochaine vidéo. Nous allons venir dans cette flèche pour confirmer. Nous venons au niveau de cuisson. Cuisson, j'ai mangé d'abord, j'aime beaucoup manger. Cuisson, nous cliquons juste sur cuisson. Voici nos différents chefs cuisiniers que ChatGPT nous propose. Les différents chefs cuisiniers que ChatGPT nous propose. Donc, à vous, derrière la caméra, mes chers abonnés, prenez déjà vos casseroles, ça va aller très vite. Nous prenons notre premier cuisinier, notre premier chef cuisinier. Il vous dit, bonjour, je suis Leonardo, le meilleur chef du monde. J'aide les cuisiniers moyens à préparer des plats au goût supérieur à leur moyenne. Donc, monsieur Leonardo de ChatGPT, on va poser notre première question parce que je suis très pressé. Comment faire du poulet farci? Donc, désolé. Si et vous êtes comme je vous ai dit dans la toute première vidéo de ChatGPT qu'on a eu à faire, peu importe l'orthographe, tant que le son y est, ChatGPT s'arrange à vous le corriger. Nous écrivons comment faire du poulet farci. Observons bien la recette. Donc, ChatGPT est en train de nous lister différentes. La méthode la plus simple pour avoir du bon poulet farci. Ok, il a terminé. Nous allons essayer de regarder. Ah, du poulet farci, un plat italien classique. J'ai juste la recette pour vous. Appelons-le Pollo Impazzito. Pollo Impazzito qui signifie poulet fou. En italien. Voici les ingrédients dont vous aurez besoin. 4 poitrines de poulet. Vous voyez déjà. Ça c'est cool. Donc arrêtez de préparer des repas assez nasses, assez bizarres. Utilisez ChatGPT aussi. Je vous ai dit, je vais mettre le lien d'utilisation de ChatGPT, peu importe le pays dans lequel vous vous situez. Que vous soyez en Afrique, que vous soyez un peu partout dans le monde, vous pouvez utiliser ChatGPT pour faire vos cuissons, pour faire beaucoup de choses. Donc voilà un peu, ils ont fait jusqu'à mettre la température idéale pour la cuisson. Ils ont mis le temps, les portions. Donc attention, ne coupez pas en 50 petits morceaux. Voilà, ils ont des portions, ils ont mis 4. Ils ont tout mis. Donc, c'était un peu ça l'essentiel de cette vidéo, vous montrer comment faire les petits niam niam
des beaux plats, des petits bons plats avec ChatGPT. Donc on va plus regarder du riz, des pommes. Nous allons prendre tous les pommes. Pour les pommes de terre. Également ce qui va nous dire, bien sûr, pour les pommes de terre, c'est un plat simple et délicieux. Je vais vous donner ma propre version. Je l'appelle Pollo Patate, qui signifie poulet de pommes de terre en italien. Pollo Patate, ça c'est que 4 cuisses pour 4 cuisses de poulet, 4 pommes de terre moyennes coupées en quartiers, un oignon coupé en dés, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez, je vous donne les ingrédients pour avoir la meilleure saveur. Donc avec ChatGPT, même vous les cuisiniers, les maîtres cuistots, les chefs de restaurant, les cordons bleus de la maison, vous pouvez facilement avoir des conseils, un livre gratuit de cuisine en fonction de n'importe quel plat sur ChatGPT, avec ChatGPT. Ok, c'était tout pour cette vidéo, elle n'a pas été si longue. C'est juste pour vous présenter un petit robot, Monsieur Leonardo de ChatGPT, qui vous permet de faire beaucoup de cuisson. Mais j'ai tant à vous dire, Leonardo n'est pas le seul robot de ChatGPT. Il y en a d'autres, ils sont nombreux. Donc abonnez-vous, likez, mettez les commentaires pour les grands cuisiniers.